Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo assez particulière. Je vais commander le pire et le meilleur Uber Eats à Younes et il va devoir les manger. Sauf qu'il ne saura pas c'est lequel le pire, il ne saura pas c'est lequel le meilleur. C'est moi qui vais m'occuper de tout ça. C'est parti. C'est parti, on va leur choisir un menu du meilleur tout simplement qu'il y a sur Uber Eats. Donc let's go, on va commencer directement. On va trier par note. Ok, donc on atterrit directement sur une page de plein de restaurants. Le premier restaurant, il a 4,9 sur 5. C'est incroyable. En gros, c'est un restaurant qui fait tout fait maison. Il y a des sandwich kebab fait maison. Ça a l'air incroyable. On va prendre ça directement. On va prendre ça directement, les refs. Donc, ils font des kebabs, chicken chica, tacos simples, pizza paysanne. Pizza chicken. Oh, on va partir sur une paysanne, les gars. On va partir sur une pizza paysanne. Donc, viande supplémentaire. Est-ce qu'on rajoute des trucs, des suppléments ou pas? Populaire merguez, non. Chèvre, non. On va laisser comme ça. On va juste ajouter comme ça la commande. Allez, on part sur ça. Ajouter 1 à la commande, 1,30€. Ça coûte 1,30€ ça? On a ajouté ça, donc nos petits fours sucrés pour les desserts. On a tout ce qu'il faut. Plat principal, entrée, dessert. On va commander ça et c'est parti, ça va arriver. C'est parti. Donc je vous ai commandé le pire et le meilleur. Par contre, est-ce que je vous le dis ou pas quel est lequel? Bah non, ça va nous de deviner. Ok, donc vas-y, bah vous pouvez regarder déjà ce que vous avez. On commence par ce pack là. On a quoi? Un seul truc. On a une boîte. Qu'est-ce que c'est comme je boîte? Je pense qu'il va prendre la pizza. What? Pourquoi c'est comme ça? Ok, un grec. Waouh. Ok, on a un il grec. Il est trop beau. Je pourrais pas dire si c'est le pire ou le meilleur kebab, c'est impossible. Mes réactions, faut pas les prendre en compte. Hein. Je vous indique peut-être en repas, c'est à vous de vous faire une idée. C'est quoi ça? Ensuite, on a une pizza. C'est quoi ça? Ah bien. Chèvre. Non, c'est pas une pizza. Crème fraîche. Ah, c'est de la crème fraîche, ça c'est la pire. Non, non, ça en gros c'est une pizza. Comment elle s'appelle? Comment on appelle le nom? Pas calzone, mais l'autre truc. Campagnard. Un truc comme ça, campagnard, ça, calzone. C'est la pire ça? Je sais pas, ça sera à toi de voir. Ok, on continue par ce sac. Il y a une boîte ici. Oh! Des wings. Ah bien. Ensuite on a. Oh, truc de ouf! Ah, on a un bowl. On a un bowl? Ok. Là, je pourrais. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire bowl en arabe? Oui, pipi. T'as fait peut-être un bowl. On a une boîte ici. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Je sais pas c'est quoi. Ah, ça c'est incroyable ça. Ça va vous faire plaisir, je pense. Ok. Ça va nous faire plaisir. C'est normal, c'est dur à ouvrir. Mais là, ouvre délicatement. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, des gâteaux. Oh, t'en as renversé un. Des pâtisseries, des mini pâtisseries. Oh, il y a des pâtisseries dedans, mais elles sont un peu renversées. Le chauffeur, il a fait quoi? Il a fait bébé, il a fait des roues. Oh. Donc là il y a tout là. Là normalement il y a tout. Ok. Le pire vs le meilleur. Donc là maintenant vous allez devoir me faire un classement à votre avis visuellement. Quel est le pire, quel est le meilleur? Alors pour ma part, je pars du pire. Le pire, ok. Le pire, visuellement, je dirais c'est la pizza. Ok, ensuite. Après, je vais y aller sur ça. La bowl, ok. Après le grec et les thunders. Et ça, c'est le meilleur pour moi. Je vais vous lire les avis, comme ça, ça va vous faire plus d'indices. Donc, premier avis, on a alerte à la propreté. Je vais éviter de m'étaler, mais faites attention où vous mangez. L'hygiène des serveurs et du magasin à désirer. Je ne recommande que la nourriture qui est très bonne, mais je ne mettrai plus jamais les pieds là-bas. Mais on peut tomber malade alors. Ça, c'est le premier avis. Non, ils ont dit la nourriture, elle est bonne. Ah. Ensuite, deuxième avis. Excellente viande de kebab. Ah, bah c'est celui-là du coup. Idem pour les viandes. Pour les autres viandes, la marinade et surtout les épices changent tout. Ça doit être le secret. Nous sommes bien accueillis par un couple très gentil. C'est ma référence du moment. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être le kebab. Et okay. Le dernier truc, préparez-vous. Très bonne boulangerie avec plusieurs choix. Personnel sympa et souriant. Oh, bah on a les deux. On en a deux. Ça veut dire que ça et ça, c'est dans les meilleurs. Alors maintenant, je peux vous dire un truc maintenant. Ouais. Le kebab, sachez un truc, c'est du jamais vu, il y a marqué sur le site kebab fait maison. C'est un truc fait maison. Ok, bah vas-y, on va commencer alors. Et par ça, les gars, je sais pas du tout ce que c'est. Viens, je vais mélanger pour le voir. Le pipi. Le bowl. Donc, il va commencer par le pipi. Ok, c'est des frites. Ah, oui, ah, c'est un truc de viande hachée. J'ai cru que c'était un gros... Vas-y, moi, comme je suis un fou. Allez, c'est parti. Attends, là, j'ai que des frites, frère. J'ai envie de prendre... Mais allez, les frites, c'est le meilleur truc. T'as que des frites, encore heureux. Similaire. Oh là là, il y avait du fromage qui dégoulinait. Test Myriam. Mais c'est grave bon. Dis bismillah. Bismillah, c'est trop bon Yacine. Moi je dis pas le coup. Attends, je reviens une fois, peut-être que c'était un coup de chance. Ah c'est du pipi quoi. C'est excellent. C'est une poutine. Il y a un gros steak là, tu veux pas croquer dedans? Vas-y, gros steak, je vais voir.
Combien de notes sur 10? Au moins 8. 8 sur 10? Au moins 8. Au moins? Et toi, 8 aussi? Attends, du coup, si ça c'est bon, ça c'est bon. T'es qu'une grosse copieuse. C'est sûr, c'est la pizza le pire. Bah, on vous verrez. Vas-y, maintenant que vous avez testé ça, je vais vous demander de tester autre chose. Vous choisissez. La pizza. Vas-y, la pizza en vrai. Allez, testez la pizza, une petite par chacun. Après, le visuel, ça veut pas tout dire. Hein. Parfois, ça se trouve, la pizza va être incroyable. Hein. Attends, je t'ai pris une petite. Merci. Tac. Et moi, je me prends. 1, 2, 3, bismillah. Une à ma taille. Myriam qui teste. J'ai peur parce que. Je veux d'abord que Myriam, elle donne son avis en premier. Non, mais il a dit la propreté, elle laisse à désirer. Ah, j'espère qu'il s'est lavé. D'abord, Myriam, elle donne son avis en première. Dis la vérité, vraiment. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. De la vérité, Myriam. En vrai, je mets un 7 sur 10 parce que le fromage, il est pas très top. Mais sinon, le reste, c'est bon. Ok, et toi, Younes? En sac, le mec, il a pris la crème fraîche et il a fait ça. Ah, il y a trop de crème fraîche? Il y a grave de la crème, mais sinon, ça va. Je vais regoûter vite fait parce que j'ai pas eu de la dinde. Mais du coup, là, je suis perdu. C'est quoi le pire? Non, ça va. Bah, du coup, moi, d'après moi, c'est ça le pire. Ça, c'est le pire? En vrai, ça va parce que j'ai déjà mangé des pizzas. C'est pas la meilleure, mais elle passe. Ça, c'est une pizza à manger devant un match de foot. Du coup, une note de 1 à 10? Comme Iram, 7. 7? Ok. Mais je suis perdu, Yassine. Gros copieur. Je suis grave perdu. Ça, c'est dans les meilleurs, c'est ce qu'ils ont dit. Mais ça... Ah, à tout moment, vous allez avoir une surprise. Hein. Ok. On laisse le grec pour la fin. Yassine a dit, c'est incroyable. On va voir ça. Mais par contre, ils ont pas mis de sauce. Il y a de la sauce à gauche de mayonnaise, tu vois pas? Il y a une sauce mayonnaise, ouais là. Oui, mais c'était dans le kebab. Ah ouais, c'est vrai. Ah, ils ont pas mis de sauce pour les tenders. Ils ont pas mis de sauce pour des tenders, mais c'est pas bien ce que vous faites. Il y a une sauce mayonnaise, mais c'est pour le kebab, c'est vrai. On va quand même goûter. Et d'ailleurs, petite anecdote, le kebab, on pouvait pas choisir des sauces, ni salade tomate, non, ni rien. Ah ouais? Ouais, c'est eux qui ont tout fait. Attends, je vais l'ouvrir pour Myriam. Ouah, c'est grave moelleux. Donc c'est je pense que c'est du surgelé. C'est la première fois que je vois que ça se coupe aussi facilement. Tu trempes ça dans la sauce, moi je trempe ça dedans. Je me dirais qu'il y a des arêtes. Non. Alors, une note de 1 à 10? 4. Quoi? 4. Et toi, Myriam? Je crois que j'ai trouvé. Myriam, je te promets qu'elle aime bien. Je te promets qu'elle aime bien, Myriam. Regardez, Myriam. Myriam, une note de 1 à 10, dis la vérité. Elle aime bien. 8 sur 10. Est-ce que vous savez pourquoi Myriam, elle aime bien? Parce que on dirait grave, ça se voit que visuellement, on dirait grave les trucs de la cantine. Les petits, ils aiment grave les trucs comme ça. C'est exactement ça, c'est ce que je cherchais. Les petits, ils aiment grave les trucs comme ça. C'est dans le pire, j'en suis sûr, c'est dans le pire. C'est pas dégueulasse, hein, c'est mangeable. Et Myriam, elle kiffe. Myriam, tu kiffes. C'est comme les croustibats. T'as vu les croustibats que tu fais cuire au four? C'est spicy. Moi, en fait, je suis un mec, j'aime pas spicy, j'aime pas souffrir. Ça, je pense, je mets là parce que je pense que c'est dans les pires. Mais ça pique. Donc, toi, Myriam, tu t'as mis 8, hein, donc pour l'instant, c'est dans tes meilleurs aussi. Okay. Ok. Donc, on fait un classement pour débuter. Ça, je le mets en numéro 1. Numéro dernier, égalité. Ok. Maintenant, on va voir le grec. Tu m'as dit de la viande, elle est faite maison. Apparemment, ce qui a marqué fait maison. Ok, je vais d'abord commencer par les frites. Un grec, les gars, sachez qu'Yassine va être d'accord avec moi, ça se mange pas ici, ça se mange sur place. Là, on va perdre du goût, là. Ouais, c'est vrai. Tu perds un peu de qualité à emporter. Ok, les frites, tiens, regarde, je te laisse goûter les frites. Elles sont pas mal. On connaît les frites des kebabs, c'est des frites des kebabs pas mal. C'est la frite du kebab. Maintenant, le kebab. C'est ça le plus important. Alors, il a dit que la viande, elle était incroyable. Ça m'intrigue. Est-ce qu'ils ont mis des saucettes tout dedans ou ils ont rien mis? Je sais pas, regarde. Regardez déjà, la viande, en tout cas, elle a l'air incroyable. Hein. Ouais, et elle a l'air épicée et tout. Ok Myriam, comment on va faire vu que Myriam, elle est malade? Bah, tu lui donnes un bout. Tu veux un bout direct? Je te passe un bout. Wow, il a fait tomber toute la viande. Regardez. Oh, il y a salade tomate oignon. Purée, comme ils disent les Belges. Purée, qu'est-ce que j'ai fait là? Tiens. Ok, Myriam, elle va tester. Younes aussi, ils vont tester. Vas-y, vous pouvez taper votre croc. C'est parti. Myriam, tu peux tester. Ah ouais, elle est bonne, la viande. En vrai, ah ouais. Je suis complètement d'accord avec la personne. Myriam, elle aime pas. Si. Je suis complètement d'accord avec la personne. Je pense avoir trouvé. Attendez, faut que je regoute bien la viande. Parce que la viande, elle est très, très bonne. Ah, mais la viande de grec, c'est de la viande de quoi? Soit mouton, soit le veau, soit du veau, je crois. Ok, la viande est excellente. Et alors, c'est pas grave, on a le droit. J'arrive, je vais ouvrir à ma maman, je vais lui expliquer, on se reprend après. T'as dit que c'était les meilleures pâtisseries? Ça, apparemment, ça a l'air pas mal. Un assortiment, c'est un assortiment. En gros, ça, c'est un assortiment de pâtisseries, mais de ce qu'il y a disponible à la boulangerie. C'est-à-dire que ça change tous les jours. Ok, alors là, vous me connaissez très très bien. On a les pires pâtisseries au monde que j'aurais jamais choisi dans ma vie.
parce qu'il n'y a pas de chocolat. Ah, et ouais. La vie sans en plus, chocolat. C'est my bad parce qu'ils ont dit ce que vous avez des préférences, j'ai rien mis. J'aurais dû mettre chocolat. Donc pour Myrem, toi tu veux quoi toi? La fraise, l'éclair au café? La fraise et l'éclair au café. Ok, je te passe. Ils ont mis une fraise. Café, plus la fraise. Tiens. Et moi du coup, je sais même pas quoi prendre, frère. Ça, je vais prendre celui-là. Teste à tout moment, tu peux être surpris. Hein, peut-être ouais, ça va être bon. Je vais bon. Prendre celui-là. C'est un mini gâteau. Bismillah. Avec une meringue au citron. Ah, c'est trop bon en vrai. Ça, je pense que ça fait partie des meilleurs aussi. T'as mangé le papier? Non. Ah, j'ai rien dit. Arrête. C'est même pas marrant. Là, il y a un papier. Je vais goûter ça là pour voir. Si, il a mangé le papier. Note de 1 à 10 du coup pour les pâtisseries. Ah, 10 sur 10 pour les pâtisseries. Et toi, Myriam? Attends, j'ai pas goûté. Vas-y, goûte. T'as le droit de dire la vérité, si t'aimes pas, t'aimes pas. Hein. À 10, je mets un 5. Ok, donc du coup, je vais demander à Myriam de faire son classement final et ensuite, tu fais ton classement final. Vas-y. On va vous dire après à la fin. Ouais, à la fin, je vous dirai qui est, qu'est-ce qui est quoi. Vas-y, Myriam, classement final. Alors, premier. En numéro 1, c'est quoi? C'est le grec, ok, premier. En deuxième. J'aurais dit ça. Ok, les bowls. Troisième, ça. Ok. Et dernier, ça. Et dernier, la pizza. Ok, donc il y a deux choses qui sont dans le pire et trois choses qui sont dans le meilleur. Les deux choses qui sont dans le pire que j'ai commandé, c'était les tenders et le balls. Quoi? Et tu vois, il y a eu des surprises parce que le balls, ils ont bien aimé. Arrête. Et les trois choses meilleures, du coup, c'était le kebab, la pizza et les pâtisseries. La pizza? Non, la pizza, en vrai, c'est vrai, elle est bonne. C'est juste qu'on a trop attendu, les livraires, ils ont mis 10 ans. Mais en tout cas, c'est validé. Pour ma part, j'aurais pas deviné. Je pense qu'on fera un épisode 2, Inch'Allah, avec Myriam. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous. Allez, ciao.